ce merveilleux diodon sous l'eau et on a eu l'idée de rencontrer son inventeur, Jean-Michel Onofri, chez Voix des Points Industries. Bonjour Jean-Michel, alors c'est ici que vous avez tout conçu? Voilà, c'est à partir de ces machines qu'on a commencé à faire les premières esquisses sur ce système de régulation. Alors c'est déjà un projet qui date de 2006. Alors comment vous avez eu, Jean-Michel, l'idée de repenser complètement le système de stabilisation? En fouillant l'idée, petit à petit, on est arrivé à imaginer un système qui serait complètement différent de la stab, qui amènerait des fonctionnalités bien supérieures. Alors le cœur du système, c'est ça, hein, qu'on a beaucoup apprécié, donc il y a juste une seule commande et la purge est automatique. Quel est l'organe intelligent là-dedans? Des équilibres de ressort, de pression, des rapports de surface, il n'y a rien de compliqué. Bon, ce qui est compliqué, c'est d'imaginer son ensemble. Et puis après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut supprimer les frottements, il y a un peu de technologie. Alors ça marche très bien, nos testeurs sont emballés, donc nous on est très chaud pour ça. Vous cherchez à diffuser ça auprès des fabricants de matériel de plongée actuellement? Exactement. Alors soit nous-mêmes, on va essayer de produire une petite série d'appareils à commercialiser en direct, à partir de notre site, donc les gens pourront directement nous acheter les machines. Le gros avantage, c'est une machine qu'on n'a pas vraiment besoin d'essayer, c'est pas une machine qui est adaptée à une morphologie, donc contrairement à une stab, on n'est pas obligé de... Voilà, c'est l'avantage, il y a une seule taille. C'est un standard adapté à une bouteille donnée, donc une fois qu'on a défini le diamètre de la bouteille, on peut l'adapter facilement. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme innovation, si vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? À part la stab, on a différents projets sur lesquels on travaille, un petit scooter sous-marin, de la balade de 3-4 mètres, monsieur tout le monde, y compris les gens qui ne savent pas nager. Un scooter où on est biplace et on est assis à l'intérieur. Là, c'est assis à l'intérieur, on espère dans une bulle d'air. Bon, on essaye ça un jour. Donc ça, on espère le mettre au point et le commercialiser vers la fin de l'année. Très bien, merci Michel, on reviendra. Pas de problème.